Bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casamena, je retrouve sur Guild Wars 2, suite de mes aventures, suite du display, on se retrouve sur Guild Wars 2 HOT Bassin Aurique. Rappelez-vous, dernier épisode, il s'est passé plein de trucs, j'ai récupéré l'œuf de Brille qui est dans mon dos. Et je ne peux pas continuer le prochain chapitre de mon aventure, car il faut que je débloque la maîtrise marque exaltée pour poursuivre l'histoire. Donc je suis en train de faire les events du bassin aurique, voilà, avec vous, comme ça on découvre la map tranquillou. Et voilà, alors je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que vous pouvez, en jetant un œil sur les liens qui composent les descriptions de mes vidéos, vous pouvez retrouver tous les liens utiles pour jouer à Guild Wars 2. Un lien pour jouer à Guild Wars 2, vous créez un compte gratuitement pour pouvoir y jouer gratuitement, tout simplement. Et puis un autre lien pour pouvoir, si vous le souhaitez, acheter Guild Wars 2 HOT Earl of Thorn pour pouvoir jouer tout ce nouveau contenu que je vous présente actuellement. Voilà, c'est début de vidéo, c'est fait, c'est dit. Alors, il faut ici récolter encore quelques rejetons de... Ah, je vais crever si je reste là. Ah, ils font mal, hein. Allez, 5 sur 7. Je sais pas ce qui se passe d'autre après. On va activer le troisième pylône. Apparemment, pylône activé 2 sur 3. On arrive sur le dernier event pour le dernier pylône, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce qui va se passer quand nous aurons activé tous les pylônes? That is the question. That is the question. Hop là. Récolter le rejeton, c'est fait. Alors il y a une espèce de passage. Oula, faut avoir un... D'accord, je pense qu'il faut avoir un... une maîtrise là pour faire ça, ce qu'il a fait le gars. Quoi l'autre? 2 sur 3, c'est tout? Il se passe pas quelque chose? Vous avez fait un excellent travail. Il se passe quelque chose. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de tester votre herbicide. On ne peut pas laisser le camp sans défense. Mais une petite unité pourrait atteindre la tige principale. La tige. La tige principale est trop près du dernier pylône. Des volontaires pourraient peut-être nous aider. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Ah, des volontaires. Sans le dire à la magistrate alors. Elle pense. Mais qu'est-ce qui se passe pendant que nos collègues testent notre théorie? C'est malin. Ok, événement de groupe, utiliser le fusil roncicide du prieuré pour éliminer les lianes et atteindre le plateau ronceux. Eh ben. Pourquoi pas? Allez, bon, on va suivre, hein. Ça a l'air sympa. Oh là, il y a des méchants incels. Des saunes ténèbres. Oh, c'est des mordrades. C'est des. Comme des zombies. Hein. Ah oui, j'ai le fusil. Je crache des flammes vertes. Cool. Cool, cool, cool. Là, on est en cancer du monde, là. C'est intéressant. Hein. Ça va être intéressant, là, Steven. Je le sens. Bien, découverte du jeu. Plaisir. Rabeuf tout le monde. Pique un peu le cul, ça, quand même. On va pas être vulgaire, mais... Bon, on va finir les petits en attendant. Comment ça? Ah, ouais. Je crois qu'il allait pas prendre ses dégâts, lui. Assistance exaltée. Entraîner la maîtrise assistance exaltée dans la catégorie ethnologie des exaltés pour invoquer au Maliré un exalté allié. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Des ronces... Ok, c'est le fusil roncicide. Est-ce que ça... Oui, bon, on va l'utiliser, hein. On va suivre le sage. Ok, c'est pour cramer les ronces là, j'imagine. Wow. Plateau ronceux. Ronceau. Ok, il y a du monde. Il se passe des choses. C'est intéressant tout ça. Tout ça c'est intéressant, je sais pas trop ce que je fais mais je le fais. Oh là, ça c'est un élite là, attention. Pas le moment de se faire fumer, mon petit cas. C'est un élite aussi là. Bah, c'est que des élites, d'accord. On va déjà fumer les petits, les tout petits. Des élites partout. Bon, c'est des élites partout, on va rester groupés. Pas la peine de s'énerver. Pas la peine de faire foufou. Alors vous voyez qu'il y a un pylône exalté inactif juste à côté, ça doit être cette énorme chose. Alors j'imagine qu'on va l'activer, si je ne m'abuse. Il reste. Ouvrez tous les rejetons ronceux et isolez la tige ronceuse principale. Ouais.
Alors, il faut faire péter les rongetons. Ronceux. D'accord. Pour forcer la tige principale à s'ouvrir. D'accord. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression d'être un jardinier dans ce jeu. Allez, 2 sur 3, il reste un dernier là. Alors, tu arrives ou pas là? Et j'imagine que la tige principale, c'est cet énorme truc qui doit bloquer donc le pilier. Quelque chose comme ça. On va voir. C'est bon? Ah, faut les ouvrir en même temps peut-être. C'est ça la couille. Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Faut les ouvrir en même temps. Donc on va... Il y a personne sur celui-là, là-bas, non? Non? 2 sur 3. Allez, on va l'ouvrir avant que... Ah, c'est bon, événement réussi. Tige ronceuse principale, c'est parti. Ok, c'est ça. Allez, pas belle. On va peut-être utiliser le rongicide ou... c'est pas utile. Déjà, je vais sortir le lance-flamme, ça sera plus pratique. Est-ce que je fais des dégâts là-dessus? C'est pas des masses, hein. Où est le fusil à ronce? Y'a plus? Oui, y'a plus, donc on va se le faire comme ça. Ça pique. Un homme au sol, un homme au sol, allez, on rose le copain. On rose le copain. Plus de monde, s'il vous plaît. Hop, cliquez les tourelles de graines. Ouh, elle a l'air costaud ce saloperie là, dis donc. Putain, je touche ou pas là? Je touche, mais je suis dans son rayon d'action. En même temps, il faut bien que j'avance, sinon je. Ah, elle se déplace en plus. Ouh, saleté. Allez, là on lui fait du dégât là. Ouh, bah, moi aussi elle m'en fait. On va reculer un peu, se soigner. Et on y retourne. Attention, on va les passer je sais pas où. Allez sous terre, allez là. Allez, on balance tout. Allez, on va rebuff les copains avec un XRB. Voilà, on est bien là. On l'a mis à 35%. 35%, tige ronceuse principale, champion. J'ai du loot, j'ai du loot. Il veut du coffre, le petit cadre. Il veut du coffre. Attention là, ça va piquer. Oh bah oui. Bah oui, mais je dis attention. Mais j'ai pas fait le malin. Et c'est... sur ces belles paroles que je vais finir au sol. Bah oui, bah oui, bah il a pas été malin, Kaz, voilà. Il a pas été malin, il a voulu faire son show. Ah bah oui, mais si toi tu viens essayer de me reste maintenant, c'est pas la peine, ma poule. Inflige empoisonnement, soigne, dissipe les altérations. Se produit lorsque la défiance est brisée. Inflige empoisonnement, soigne, dissipe les altérations. Ah oui, le soin, elle se soigne vraiment bien en plus. Peut-être plutôt Rez et revenir à pattes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vais pouvoir revenir à pattes ou est-ce que je vais être bloqué par un tunnel de ronces? Non, c'est bon, la défiance est brisée. On va les laisser finir la bestiole. Je pense que là, ils vont y arriver. J'arrive à faire mon feignant. Comme ça, on profite du combat. Vu que je suis trop nul pour pouvoir tenir en vie. Allez, elle va tomber, les petits loups. Ah oui, mais là, elle se soigne. Allez, allez, faut tout donner, petit bouchon. Allez. Allez, dissipe les altérations, c'est vrai que ça c'est chiant, ça part vite, ces saletés. Ah non, elle régène vite. Bon, prochain round, ça devrait... Ça devrait le faire, les gars. Allez, la défiance descend pas mal, là. Ce produit, lorsque la défiance est brisée. Petite musique triste. Allez, c'est parti. Fumez là. C'est la fin là. Ah, ils sont plus nombreux non plus. Hein. Ils sont pas des masses. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 ou 6. Ok. Elle est vaincue. Le champion ronce a été vaincu. Maintenant, il faut activer le pylône. Merci pour le reste, les petits louchons. Ok. Une cache épineuse, des points d'expérience et 10 blocs. J'ai peut-être augmenté ma maîtrise là, non? Toujours pas. Hein. Sagouin. Allez, une petite cache, tout ce qu'il faut. On va dire merci quand même. Je suis prêt. Récompense, cache de champion. Et ma maîtrise, allez, presse. C'est bon, le bloc a été activé. Le pylône a été activé, on est à 3 sur 3. Alors les gens sont en train de partir par là. Il doit y avoir quelque chose à faire par là, j'imagine. On va les suivre.
Ok, là le gros pylône, on a fait les petits pylônes. Tous les pylônes de la garde du Nord ont été activés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est quoi? Ouais. On va attendre un petit peu, et à ce moment, va se passer un truc. Il n'y a qu'à déplacer ça, accrocher ça et... Surprise! Ouais. L'idée de fermer les yeux me terrifie. Ouais. Zend, il est où le... Zend. Alors lui, il est là. Il était avec moi. À mon avis, il va se passer quelque chose. Maybe. Ou pas. Il est chiant, ce scarabée, là. Je suis prêt. C'est limite. Allez, les gars, un petit émeute, là, je suis bientôt, regardez, mon point de maîtrise, là. Enfin, mon truc, là. Ma nouvelle maîtrise. Ah. J'avais pas vu qu'en bas, il y avait ça. C'est bien fait. Bon, rien de plus? Rien de neuf? Comment ça, rien de neuf? Rien de plus? Quoi, cette histoire? Bon, on va descendre, aller voir les points de héros, là-bas. À quoi ça ressemble? En attendant que quelque chose se lance, ou pas. Oui. 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 Ratasom est si proche et si loin à la fois. Non. Rien. Fausse joie. Là-bas, il y a un truc. Ça va être le point de héros. Allez. Le champion. Oh merde, j'arrive à la fin. Oh mon casque. Non. Merci. Allez mon casque. Oui. Allez, c'est bon, j'ai touché. Normalement, ça va le faire. Wouh. Est-ce que j'ai le temps de faire pop des tourelles de graines? Ah, défi de héros terminé. J'ai ma maîtrise ou pas? J'ai toujours pas ma maîtrise. J'ai toujours pas ma maîtrise. Merde à la fin. Sérieux. Regardez. Je la veux moi ma maîtrise. Ah, il y a un autre truc. Avant-poste, garde de l'Est, les sages exaltés n'ont pas pu retourner à la garde de l'Ouest. Collaborer avec les scrits pour les retrouver. Puis activer les pylônes de la garde de l'Ouest. Pylônes activés 1 sur 3, les mandems envoyeront Tanir dans 4 minutes 24. Ok. Zéouzaz base, mon petit bouchon. Ah, le problème c'est que je ne vois pas où c'est. Les sages exaltés ont un garde de l'Ouest. Donc s'imagine que c'est à l'Ouest. Par ici, défendre. Non, c'est encore autre chose. Garde de l'Ouest, ça doit être par là, non? On va voir. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors attention, ça pique méchamment. Ah, ils piquent tous, de toute façon, ici, les bestiaux. Les sages exaltés, la garde de l'Ouest, les pylônes de la garde de l'Ouest. Mais oui, bah, à toute logique, c'est à l'Ouest, la garde de l'Ouest. Je pense, quand même. Non. Je suis perdu. Nouvelle terre. Voilà. Nouvelle possibilité. Par terre de la garde de l'Ouest. Mais oui, beau gosse. Il est pas con en plus. En plus, il est pas con. Pylône activé 2 sur 3. Donc il faut trouver le... Oula, il y a eu du bruit là. Il y a eu un gros bruit sale. On va débloquer le TP surtout. Le dernier pylône. Actif. Actif. Il en reste un. Ok, non actif le dernier, ou que c'est qui claque. Il est peut-être plus il est juste derrière moi. Il est tout par là. Il est par là, le dernier pylône non actif. Voilà, alors comment on l'active? Quel noob hein, ce cas. Dokura veut faire un grand festin pour les scrits et les amis qui brillent. Miam, d'accord. Miam, oui. Ok, bonne idée. Je te laisse faire. Je suis à côté du pylône. Il est ici. Je suis vraiment un noob. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait masse popole autour de moi. On va aider les scrits. Attends, est-ce qu'il se passe quelque chose que je comprenne? Réanimer machin truc. Il est là, le script. Cet œuf a l'air délicieux. Protégez-moi pendant que je le prends. Vas-y. Protège. Ou pas. Ou l'un qui est en train d'aggro toute la map. Il rigole, celui-là.
rapide et habile. Oula, oula, ça y est, ça arrive, ça va arriver là. Frappez-moi si vous l'osez. Il y a un champion là, non? Il y a un gros du moins. Bon alors le script, il... le pauvre, il tient l'équivalent de 2 secondes. Hein. Après il se peut ouvrir, comme une merde. Waouh, 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 waouh. Alors niveau dégâts, franchement, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre. Enfin, je trouve que j'ai pas à me plaindre. Alors niveau... Oh là, il y a le champion qui arrive, là, laisse tomber. Laisse tomber, ah, j'ai le collègue qui est mort là-bas. Oh là 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 là. Mais alors niveau PV, niveau point de vie, c'est quand même assez violent violent ce Guild Wars 2 HOT. Ah bah oui, bah oui, bah ça. Ça là, ça va être juste méchamment violent. Allez, faut moi fumer celui-là là. Ah, c'est ce que je peux. Hein. Ah ouais, mais là on est mal barré là. Allez putain, lève-toi. Oh non, sérieux. Ah ouais, mais là c'est nul ça. Oh là 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 là, je vous jure, comment c'est chaud. Vous avez vu un peu? On attend rien faire, on sait ouvrir. Et les mandrèmes vont envahir Tahir dans 15 secondes. Et je sais toujours pas où ça se passe. Ils n'ont pas compris où ça se passait. Tahir, qu'est-ce que Tahir? La gare du Nord, la Cimternie. Descendre. Événement. Gare de l'Ouest. Attention. Terminer les défis pour sélectionner les champions. L'assaut commence en 15 minutes. Défi de la gare du Nord-Ouest terminé. La gare de l'Ouest. Allez, on va faire les défis. La gare de l'Ouest est sous ma protection. Je rentre à la gare de l'Ouest. La gare de l'Ouest m'appelle. La gare de l'Ouest. Les défis de l'armure enchantée. Parier du minerai d'orium pour utiliser l'armure enchantée. Comment je fais? Il se passe plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Portail exalté vers le défi des enchères. Entrée. J'ai pas le truc des marques exaltées. Ok, je suis encore bloqué, comme une merde. Ça va être une habitude, ça. Nom d'un excrète, ça brille fort. Compris. Si la ville qui brille est sauvée, ça fera plus de qui brille pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Celui qui donne le plus d'éclats dorés emporte l'armure qui brille au combat. D'accord. De l'autre côté du portail, c'est la boutique des secrets. Oui. C'est là qu'on vend des armures. D'accord, donc il faut... Passer par le portail et rapporter une armure qui brille. Les armures, on me suit. C'est le moment de faire encore plus briller les armures. Il faut passer par les... Porteurs de l'œuf, vous devez faire vos preuves. Oui. Venez me parler quand vous serez prêt. Mais je suis prêt, oui. Nous laissons nos alliés scripts décider qui est digne de contrôler une armure enchantée. Utilisez le glyphe pour participer aux enchères. Pariez une quantité suffisante d'orium et l'affaire est dans le sac. Comment fonctionne cette enchère? C'est assez original. Pour chaque armure enchantée, les enchères commencent avec une grande quantité d'orium qui diminue à chaque tour. Le premier à enchérir l'emporte et prend le contrôle de l'armure. Quel est l'objectif? Ouais, d'accord. Parlez-moi de ces glyphes exaltés. Seuls ceux qui maîtrisent les glyphes exaltés peuvent s'en servir. Prouvez que vous êtes à la hauteur et la glyphe vous enverra aux enchères scripts. Donc je peux pas le faire déjà, le truc de l'Est, parce que j'ai pas la maîtrise adéquate. Donc on va essayer celui du Nord. Ou si c'est pareil, le Nord, est-ce que c'est pareil? Si c'est un truc d'enchère ou pas? Est-ce qu'il faut avoir la maîtrise truc muche? Et si c'est le cas? Défi de l'armée enchantée, envoyez 3 fois les champignons volés sur le roi. Un grand coup de pied. Ouais. En terrassant le champignon. Ah oui, bah c'est pareil, il faut avoir la maîtrise. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Il faut moi-même... Les participants au prochain défi peuvent décider grâce au glisse. Pouvez-vous... comment puis-je le vaincre? C'est plutôt simple, envoyez les champignons voler sur le roi pour le faire tomber. Faites-le 3 fois d'affilée, plus vite possible pour utiliser une marée enchantée. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Seuls ceux qui maîtrisent le pouvoir peuvent... Ouais, bon, bah là pareil, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser ceci. Car je n'ai pas la maîtrise adéquate. Fais chier. Fais chier, fais chier. Donc, je vous propose, les amis, c'est de vous retrouver pour un prochain épisode. Bien évidemment, on va continuer à découvrir cette zone. On va la découvrir. Hein, et monter les maîtrises parce que là, je suis... J'ai bloqué. Mais j'ai bientôt fini déjà la maîtrise des courants ascendants. Mais j'ai fini la maîtrise des courants ascendants, mon petit casse. Réveille-toi. Hop. Allez, hop. Objet vendu.
Courant ascendant, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut absolument? Ceci. Ethnologie des exaltés. Allez hop, on est en cours d'entraînement. C'est parfait. La prochaine fois, on pourra faire plus de choses, normalement. Donc, récapitulatif des maîtrises. J'ai le delta plane, les courants ascendants, les champignons. Et là, on monte sur les marques des exaltés. Allez, les petits bouchons, à très bientôt. C'était Cass, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.